ça PDF. Hein? Jamais. Parce que c'est bien beau de dire faut mettre de l'offre et tout, hein. Mais les conditions de travail aussi. Aujourd'hui 71, porte de la Villette en direction de la bibliothèque François Mitterrand. Je l'annonce, zéro dev. Incroyable pour une ligne de Paname comme ça. Incroyable. Ouais. Vous voyez aussi quand vous arrivez là, c'est pas trop non plus parce qu'avec le déport. Voilà, ça, parce qu'en fait, c'est à beaucoup de motos qui viennent vous doubler sur la droite. Ça, c'est un bon apprentissage, belle écurie. Ah, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle quel moment ici? D'accord. Ça te rappelle quoi? C'était là en plus. Hein. Ah oui, le cœur là, mais t'es un charbonnier, c'est pas pareil. Même les gens, même la communauté transidette m'a dit non. Et lui, oh là là, ça va être marrant. Arrache la porte. Mais lui, alors lui, c'est un champion. Lui. Te fais pas écraser, tonton. Hein. Écrase-lui les pieds, s'il te plaît. Les femmes qui regardent ces vidéos. Hein, et que, les femmes c'est, ouais. Et d'accord. Qui le kiffe et tout, qui ont vraiment. Ne le calculez pas. Il est trop bizarre, ce mec. Ouf. C'est le vent le plus terrible que j'ai vu de ma vie. En tout cas, vous êtes très très chic, hein, beau. Ah bon? À ce point-là? Ah ouais. Les tigres, quand même, même le soleil. Ils sont beaux. Ah ouais, ça fait plaisir. On se croit dans James Bond, c'est ça? C'est fini. Alors, merci d'avoir. Sur ce, messieurs, dames, bonne soirée. Oh, il fait jamais ça. Oh, ouais. Micro. Bonjour. Ouais. Pourquoi tu fais timide comme ça? Ouais. T'avais un truc à dire? Ouais. Alors attends deux secondes. T'aurais dû le dire quand on était dans le feu de l'action, frère. On va être arrêté au feu. Ah bah attends, je vais dire. Bah, déjà présente-toi parce que les gens ils attendent ta présentation. Alors salut, moi c'est Jean-Patrick. Je suis un adepte de chez Trans-IDF, hein. Donc c'est pas moi qui a fait le 2-7, toi. Ouais, et du coup... Ah, t'assumes pas. Hein? Faut assumer dans la vie. Mais c'est pas moi qui a fait ça, hein. Je vois pas déjà... C'est non. Qui? Bah c'est Jean-Louis, là, Jean-Louis la brocante. Vous avez vu les gars comment il assume pas, le mec? Mais c'est pas moi! Mais combien de fois je vais te répéter, c'est pas moi! Vas-y, ok, c'est pas toi. Eh oh! Tu vas te prendre des haies, les gens ils vont te... Mais t'es pas proche du truc. Vas-y, pas, je vais gérer. Alors attends, j'ai même pas eu l'occasion de faire mon intro, on va la faire. Bah oui, tu l'as pas faite. Bah ouais. Il est trop long. C'est bon, le il va passer ouvert. Ouais. Il a embrassé la plante, hein. Ouais, c'est le collègue. Vas-y, Allez Ah, tu veux... Ah, t'avais une annonce à faire. Bah ouais. C'est Monique. Voilà, tu voulais dire un truc. Salut. Ouais, c'est Greg. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Trans-IDF. Et du coup, bah sur le 71, hein. Alors ouais. Donc je vous invite à regarder toute la vidéo parce que je suis là. Et vu que je vais mettre la bonne ambiance, enfin, à moitié. Donc c'est le son de la veine. C'est bon. C'est bon? Ouais, c'était de la merde, en fait je parlais à la tourment. C'est vraiment un vieux cum le mec, hein. Franchement, dites-moi en commentaire, mais dites-moi que c'est pas bien que c'est un... Ah oui, moi j'ai oublié un truc. T'as oublié quoi? Ah mais j'ai oublié un truc. T'as rien oublié du tout. J'ai grave oublié. On va accueillir les clients. Et non, la RATP, la RATP ne veut pas. Non, la RATP ne veut pas. Eh fuck Paris Est. Aïe, bac de merde. Fuck Paris Est. Fuck Paris Est. Vive BDM. Vive BSM. Voilà. Alors je ne cautionne pas tous ces manques de respect entre dépôts. On est tous de la RATP, les mecs. Dédicace au mec du 102. Hein? Pourquoi il va écraser un carton, lui? Regarde. Ça va aller. Oh là. Oh. Regarde l'espace qu'il a, le BM. T'es mal le liaise. Tu veux dire bonjour? Dis bonjour, wesh. Enfin, ça bat les couilles, en fait. Ah, tu vas finir. Fin de ta. Elle va me dire bonjour, elle. C'est vrai, elle m'a regardé avec un sourire. Viens, regarde l'autre qui attend que je vous la porte de derrière dans tes rêves, mon gars. Je vois pas, j'ai la caméra. Bonsoir. Parce que vous avez l'affiche errant devant qui porte la Villette en ligne François Mitterrand. Ah ouais, mais tout à l'heure, quand j'ai vu, il disait François Mitterrand.
Attendez, changer, je peux dire des soucis. Je vais vous dire, attendez, je vais changer, attendez, tac, tac. C'est pour ça, et là ça dit porte de la Villette. Suffit. Ah, elle est super gentille, hein. Attends. C'est bon? Mission 2? Non. Attends, je vais mettre en mission exactement. Même mission manuelle. Ouais, c'est bon. Ne jure pas? Là? Yes! Yeah, bébé! C'est pas facile, hein? C'est bon, c'est bon, on va bien à la bibliothèque. T'as mélangé Villette et bibliothèque. Hein. On va bien à la bibliothèque. Et je vais comment? Je vais trop. T'as vu comment ça commence bien? C'est magnifique. Ah, les gens me font aimer staff là, les gens. Jules, t'as pas une pizza s'il te plaît? À qui? Au collègue là. Quel collègue? Ah, qui voulait écraser le carton? Non, lui là. Avec la voiture, je me suis dit, il était avec sa meuf. Ah ouais, ça me fait des pouces, hein. Ah, parce que le frérot, il était un peu énervé. Comme, comme il a fait un pouce, lâcher des pouces. Vous voyez les régulateurs, vous qui regardez peut-être. Vous voyez comment c'est chiant cette avenue-là? Je mets des régulateurs dans la... Chacun parce sa que, merde. Parce qu'en fait, je veux qu'ils voient. Non. Puis en fait, pourquoi on perd des fois du temps? Si, je veux qu'ils voient. Non, c'est chacun important. Sa merde. Les régulateurs sont dupes. Et le feu, regarde-le, regarde. Et là, ce feu-là, je le répare, tu vois. Et... Oh, je suis passé vraiment. Oh, le soleil. Oh, oui, ah, ouais, là ton gros crâne là, il ressort bien par contre. Là, je le vois. Entends. Sale bâtard. T'as pas de chance, hein, purée. Là, je le vois, tu sais mais que c'est pas. Mais là, j'ai mis, j'ai mis les lunettes. Là. Donc, tu me permets de pas flouter dans ce cas-là. Ah, non, si. Je flou. Moi, déjà, je m'appelle Jean-Louis. Jean-Louis de la Brocante. Espèce de tafiole. Ah, ouais, eh, c'est comme ça que t'accueilles tes amis, tes collègues. J'ai rien fait, hein. T'as rien fait? Non. Voilà, les matériels à Paris, c'est pas top, hein. Bah alors, une question pour Pécresse. Attends, je te coupe. Tu me dis, les matériels sont pas terribles à Paris. Les hybrides, c'est un des meilleurs. Oui, oui. Bah non, mais... Pécresse, une question pour madame Pécresse. Où est-ce qu'on aura la clim dans nos bus à BDR? Hein? Jamais. Parce que c'est bien beau de dire faut mettre de l'offre et tout, hein. Mais les conditions de travail aussi. C'est comment? Hein? Sur comment? Là, je rigole à regarder les vidéos. Non, mais je te sers gentiment. Oui, gentiment, oui, très gentiment. Les matériels, parce que ça fait longtemps de passer à l'électrique, hein. Ça doit faire quoi depuis le Moyen-Âge? Ils ont des retards, ils ont du retard. Du retard? Ouais, rien du tout. Entre les bus qui. Tu vois, qui, je sais pas d'où ils sortent, ils prennent des bus de d'autres dépôts pour les mettre des vieux bus. Ah, la casquette. Hein. Alors ici nous avons le bus 60, hein. Quelle destination? Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Il y a la porte avant droite ouverte. J'ai envie de me barrer mais je crois qu'il y a le gars là, il veut monter avec moi. Ouais, je monte avec toi. Ça se voit? Ouais. Il est impatient là, il fait oh là. Il aurait pu venir. Il est où mon bus? Pourquoi il reste là? Mets-lui un coup de bombe au pire. Ah, c'est bon. Ah, faut mettre un coup de bombe pour... Minutes. On va se suivre jusqu'à de où jusqu'à. Oui. Oh là là. Tu veux le galoche ou quoi? Ça se voit, je sais pas, il fait quoi. Mais ça se voit, il a un jour. Plutôt, il veut me prendre, mais en même temps, il a pas l'air de vouloir me prendre. Non, il veut pas te prendre. Oh, le gamin, il voulait pas me prendre. Ouais, c'est bizarre comme tu l'as dit, frérot. Ah, j'ai trop la rage, j'aurais pu le dépasser depuis. Et voilà, ma pose, elle est fumée. Ta pose, elle est quoi? Ouf. Oh, ouf. Ouf, oulala. Ah, je veux pas être à sa place. Accompagne mon bras, s'il te plaît. Quoi? T'as les crampes? Ah, c'est dur. T'as les crampes? J'ai les crampes. Elle a les crampes, elle aussi. Bon, on va parler un peu de la ligne sérieux un petit peu, deux secondes. Fais son machiniste pour expérimenter, voilà, pas toi. Hey, tu crois, je t'ai pas cramé mon gars, tu fais grave avec tes nœuds. Je crois que t'es avec tes lunettes de soleil, tu crois, je les ai pas vus. Mais t'es là, il était comme ça après, il fait ouais, il a grave la dalle. Tu crois, parce que c'est ça que j'allais parler. Mais frère, t'avais la tête tournée là-bas, mon gars. Bon, bref. Ouais, hey, comme il change. Oh. Parlons de la ligne. Okay. Alors, on est bien, il n'y aura pas de déviation. Qu'est-ce que tu fais encore avec les caméras? J'ai l'impression que la caméra elle a bougé, wesh. Elle a bougé? Tu veux que je vienne encore vérifier? Non, attends, je vais attendre. En fait, là, c'est un travail de prix. MRB de retour. Ah, alors, faut savoir que je fais MRB à mi-temps pour les caméras, pas pour les bus. Tu fais rien du tout, tu les dérègles, ouais. Ça, c'est toi. Ça, c'est Nathalie.
Ils vont mettre des photos comme ça dans la face. Alors ici, on pourra... Lui, c'est juste Ken. Parce qu'il veut Ken. Et elle peut tout faire. Oh, oh. Elle peut tout faire. Toi, t'intéresses pas à Grand CDF? Ça m'intéresse pas du tout. Barbie girl in a Barbie world. Bon, revenons à la ligne. Ah bah écoute ta ligne. Si, c'est important. On est là pour ça. On est là. Bon, j'ai un peu trop égaré, excusez-moi. Moi, je t'égare plus que beaucoup. Mais... Wesh. Alors, aujourd'hui 71, porte de la Villette en direction de la bibliothèque François Mitterrand, je annonce 0 dev. Incroyable pour une ligne de Paname comme ça. Incroyable. Ouais, c'est juste aujourd'hui après demain, il y aura une dev. Ouais, marché, donc on va dévier. Ah, ton tonton, il va pas vite peut-être. Il est fatigué un peu. Mais il fait un bruit bizarre. Hein. J'en sais, il va pas s'avancer. Est-ce que tu peux nous imiter le bruit de l'urbanois, s'il te plaît? Ah, je sais pas faire. Bah arrête, tu le faisais bien en plus. Ça y est, c'est fini. Hein? Ça y est, maintenant c'est hybride. Hein. Attends. Oui! Ils veulent le 111 ou pas les gens? Ça se bagarre. Ils le veulent ou ils le veulent pas? La seule issue ici, c'est la bagarre. Ils le veulent pas s'ils le veulent. J'ai envie de partir, mais bon, je vais pas le faire. Il me regarde, après il se retourne. C'était trop beau, ma gueule. Je sais, je suis un beau gosse. Ouais, non, c'est... Ils auraient pu venir comme ça, on gagne du temps, tu vois. Mais non, ils vont attendre. André, tu lui fais à lui, il va prendre. Ouais, j'imagine que je serais parti là comme un bâtard. Ah, ben c'est. Eh ouais, mon gars. Ah, oh, j'avais même un arrêt demandé, mais personne ne va descendre. Ah, si. Si, il vient d'être maintenant, il a été mis maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonjour. Il est gueule. Hein? Ouais, mais il est gueule. Il sait que j'ai une tête qui fait rigoler, mais pas à ce point-là. T'as une tête qui fait rire. En fait, je t'en regarde, j'ai tapé un four et bah rigole. Pourquoi tu comptes avec le sourire aux lèvres? Parce que je suis content. C'est marrant, tu viens de se réveiller le mec? Oui, après, regarde, il va faire tous les arrêts. Tous les arrêts qu'il a pas fait, il va les faire. Bon bah voilà, vous l'avez pas eu au démarrage, vous avez le bus 71 direction du KB. Voilà, il va tous les faire, écoute. Wesh. Je peux même pas bien les prendre parce qu'ils sont mal garés les mecs. Excuse-moi, je suis pas grave. Il y a de l'autre, attention. Ah, il a ça, il s'est rattrapé du coup. Hey, mais ce 60 pas vraiment, je sais pas, il doit charger mon garçon pour être aussi long comme ça. Il charge même pas, il ferme le ventre en les pantalons. Mais putain, la personne qui dit ça. Non, c'est toi qui me dis comme ça. Pardon? Ouais, déjà, le FAE, tu le redescends s'il te plaît. D'accord. D'accord, toi. Comme ça. Non, mais en vrai de vrai, c'est il met son pied dedans. Vous avez parlé sérieux. T'as vu le FAE? On a des fois cette manie de remonter. Donc, c'est pas bien ça. Mais attends, mais ouais. Bon, après, je suis pas flic. Hein. Mais on m'a expliqué qu'en fait, quand t'as je le keuf, vas-y, va là-bas. Bah, attends, mais je t'en parlais, Aïchik. Aïchik, hein. Non, en vrai, quand tu le remontes, en plus, il perd en air des fois. D'accord. Et bon, vu que c'est avec de l'air, le FAE, tu peux perdre ton frein. C'est-à-dire que t'as remonté. Ouais. Ton bus, il a plus de frein. Et aussi, tu avais dit un autre truc aussi, quand tu purges, c'est vraiment pour les bus, c'est ça? Ouais, c'est ce que je disais, ouais. Alors, éclaire-nous en plus. Éclaire-nous. Parce que déjà, tu payes. Non, éclaire-nous plus. Je crois que c'est ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on parle français, non? Non, mais alors lui. Oh là là. Ouais, en fait, quand on purge. Ouais, quand tu purges, tu bouffes de l'air et ton bus il peut tomber en panne à force. C'est ça, c'est comme ça quoi. Arrête. C'est pas bon ça. C'est pour, ouais, pas du tout, c'est pas bon pour la santé. Est-ce que tu penses que Jean-Patrick qui fait les pneus sur 300, 207 et tout là. Ouais, c'est ça, c'est un Jean-Patrick. Ouais, Jean-Patrick, c'est ça. C'est moi, je suis Jean-Louis Labrocante. Et lui, c'est un bon, lui, Jean-Patrick ou quoi? Ah, te gueule, je pousse pas. Mais lui, il est qu'on a beaucoup de NRS 3 que faire au malin. Ouais, il va se prendre un dodan bien fort, tu vas voir. Ah, c'est un collègue. Un Citelis. C'est quoi, c'est un Lime ou c'est un 12? Non, c'est un Citelis sur Banway de 2012. Non, mais plus avant, c'est un Lime ou c'est un 12 celui-là? C'est un 12. Et comment tu sais ça par contre? La girouette. Ah, par rapport à la girouette. T'es con, je suis gentil avec les collègues, en plus c'est une femme. C'est un charron et un bonne merde, c'est ça. Elle est un peu énervée par contre.
Je dirais jamais, est-ce que je peux venir filmer avec toi? Ah ouais, le mec qui monte dans les bus des gens, il fait... Excuse-moi, est-ce que je peux filmer avec toi, s'il te plaît? Non. Mais vraiment, parce que là, ça m'intéresse de ouf, et pour les coder, ça pourrait arranger. Oui. Ça va, la plupart, c'est des bons, ils acceptent tout, on accepte, c'est rare. On m'a juste refusé sur une ligne que je ne dirai pas, qui m'a brisé le cœur. En tant que collègue de la RATP. En miettes. Ouais, en plus, c'était une femme qui m'a dit ça. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Si vous priez au second poteau. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Prends en photo. C'est joli, c'est vrai que c'est pas bon. On va mettre un peu de caméra de côté là. Allez, je rends du son. Apprécier le. Je sais même pas ce que c'est que ça. Les graffitis. Bon, je vais accélérer parce que je vais me taper. Lui, il est en train de pécho le. Ah, mais Bélec, je vais quand même. En plus, ils volent pas. Ils prennent la confiance. Ils veulent pas voler, on dirait. Alors lui, c'est... Regarde sa tête. Il a volé le crâne de pouce. On dirait un pouce. Le gamin, là, ça clash comme ça. Non, j'en ai pas eu. En plus, là, il a même pas attaché. Ça veut dire qu'il est porte à fort. Alors là, il a bien mangé. Oh, le... Hop là. Comme si c'était une normalité, vas-y. Oui, normal. Je gère mon gabarit. Ouais. Non, porte na, ouais. Vraiment. Mais t'as même fait merci Simpson. J'arrive pas, vas-y. Oh, je m'ai repéré. Brigitte, tu devrais faire. Tu devrais faire les gens qui imitent les gars dans les dessins animés. Mais mettre aussi. Toi, c'était ma série, j'ai regardé quand j'étais petit. Pourquoi tu racontes ta vie? Attends, pourquoi tu la racontes aussi? On s'en fout que tu sais imiter Homer Simpson. Ah. Non, ferme ta gueule. Oh, un cœur qui t'a pris une balle. Plus qu'une balle. Les gens qui regardent, c'est des gens qui sont... Pour l'ennemi. Ok, bah j'arrête. Voilà, ils en ont rien à cirer de... Bon, on va parler de travail. Ah, parle de travail, c'est ce qu'on veut, nous. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que te procure la sensation d'être machiniste? C'est un bon travail Bah, ouais. En fou. Non, je rigole, vas-y. Je sais pas, toi t'es machiniste non aussi, non, tu peux nous en parler. Je m'appelle Jean-Patrick. Pourquoi ouais, tu parles de machiniste? Je suis machiniste du 2-11. Je viens du Québec, moi. Du 11. Alors je vous dis les mecs. Vraiment, je comprends pas ce que tu me racontes avec ton accent. Alors je vous dis donc, il a 209. Hey, 207. Wesh. 312. En fait, il a toutes les lignes de bus, le mec. C'est bon? Et bord de marne un peu. Il me connaît pas mal là-bas. Non, t'en as pas beaucoup, je trouve. Hein. En fait, je veux qu'on me démasque. Oui. Ah, monsieur, bah, toi aussi, tu connais toutes les lignes de bus, il y a. Non, je connais pas 207. Et je connais pas 206. Ah oui, on lui a donné, il est parti. Et je connais pas 311. Et ouais, je suis parti, mon ami. Ah, il est pas, on lui a arrangé, on lui a mis un beau 27. Ce jour-là, ça m'a fait mal au cœur. Et on lui a donné un 27. Ils m'ont dit, bon, bah, mon ami, c'est l'heure de partir. Et le Félix, cœur sur lui. Hein, il m'a dit, en plus, je lui ai dit, vas-y. Et le Félix, c'est un bon. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, franchement, heureux de t'avoir connu. On dirait qu'il avait prédit le truc. Alors que de base, c'est. Comment tu peux faire ça à nos. Il l'a senti. À nos fouilles préférées, t'as vu? Tu veux pas lui faire cet art? Il a dit, tu veux quoi? Tu sais, puis je suis arrivé et je lui ai dit, donne-moi tout. C'est un bon de ouf, il m'a dit. Après, il a dit quoi? Eh, tout ce que je lui ai demandé, franchement, il m'a jamais dit. Peut-être qu'il se reconnaîtra, je sais pas. Je dirais pas les noms. Les deux? Je dis pas de noms. Ouais, les deux. Franchement. Et le premier qui est à bord de main, pareil, tout ce que je lui ai demandé, il l'a fait. C'est le mois de 13. La vérité, hein. Franchement. La vérité. Hein. Ouais. Quand ils vont prendre leur retraite ou quoi, ça va faire. Hey, on n'aura pas les mêmes félicitations, hein, je ne vais pas te mentir. Ça va être différent. Il faut en profiter. Hein. C'est pas tout le monde qui est comme ça, malheureusement. Non, franchement, ils sont professionnels et à la fois tu peux rigoler, parler, discuter. Parce qu'en plus, quand. Je dirais pas son nom. C'est bon, on a compris. C'est des erreurs de te répéter là, tu radotes, j'ai pas envie de dire son nom. Franchement. Ouais. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, du coup, tu disais. J'ai oublié, elle m'a perturbé. Ouais, c'est pour ça. Ah, non, je disais. Je disais quoi, merde? Je sais pas. Mec, la Alzheimer. J'ai Alzheimer, alors que je suis jeune encore. Vas-y. Ah, t'es jeune ou vieux, quoi? Enfin, vieux jeune. Non, je disais qu'en fait, en gros, quand tu leur demandes, même s'ils te disent non, ils te disent reviens, ils tiennent sa parole en fait. C'est pas hypocrite en fait. Et quand il y a un qui va pas, il va te le dire. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est pas comme certains, ils vont te dire ouais, des trucs, et après derrière, ils te. Je note. Ils te. Ah! Le mec, la caméra, tu l'as bougé. Non, c'est pas, je la bouge pas.
Et non, franchement, non, sur ça, ils sont bien. C'est quoi, j'avais demandé du 2-13 même en dehors du travail, genre, humainement, genre. C'est pas, après, c'est pas... attention, ils sont comme ça, parce que peut-être toi aussi, t'es bien envers eux, mais si t'es un gars, t'es un enfoiré c'est avec eux, il va peut-être pas te regarder de la même manière. Qui va être bien avec un enfoiré, c'est sûr, c'est ça. Parce que t'en as des comme ça, des collègues. Hein. Ouais, ouais, il me fait ça, je comprends pas, il me fait ça. Alors qu'au final, c'est son approche. C'est comme les deux fois. Ouais. Tu vois, quand t'es nouveau rentrant, même moi, quand je suis passé par les deux fois, j'ai fait un mois et demi deux fois. Ouais. On va tous passer par là après. Je sais qu'il y en a qui ils arrivent, tu vois. Ouais. Et après, les deux fois, tu passes par là. Ouais. Donc attends un peu. Après, ça dépend, tu vois. Ça dépend de comment ils servent ou quoi, mais bon. Sinon, au cœur sur eux. La vérité. Ça, ça va être calme le trajet. Hein? Ça va être calme. M'en fous. Enfin. Bonsoir. Hey, tu me racontes trop ta vie, tu vois. Oh, j'ai même pas le dire bonsoir. Eh, j'ai la deuxième qui est rentrée. Ah, mais il faut trop les restats. Je vais arrêter de dire bon, je vais les regarder, j'ai mis une lettre de soleil car. C'est de la base, faut faire un contact visuel avec les clientèles. C'est tout. Et eux ils disent bonjour. C'est pas toi. Pas bonjour. Par contre, au revoir, tu peux le dire. Pour les gens qui bonjour et tout, bien. Je vais prendre les plus, mais en même temps c'est bon. Quoi? Bref. Tu t'égares. Tu dérapes, hein. Tu vis. Tu riches. La vie. Aïe aïe aïe. Alors t'en penses quoi, je voulais te dire ça. T'en penses quoi d'aller te sentir en ce... Tu kiffes, tu kiffes pas? Ouais. Ouais. Octogone, sans règles. C'est vous avec l'électrique, vous allez plus ressentir cette merde. Ah c'est ça. Là je vais enfin, cette merde. Vous êtes du GNV, GZ. Vous voyez aussi quand vous arrivez là, c'est pas trop non plus parce qu'avec le déport. Voilà, ça, parce qu'en fait, c'est beaucoup de motos qui viennent vous doubler sur la droite. Ça, c'est un bon avantage de doubler avec le rétro. Moi, je vais laisser passer. Allez. Et c'est trop long la détente. Mais comment dire, ça, ce genre d'avantage de ligne, tu vois. Parce que ce qui est chiant avec la tablette, c'est qu'on ne dit pas tes repères sur les parfums. Par exemple, sur 24, sur tablette, tu ne peux pas te dire. C'est la ligne, je ne sais pas si les gens qui regardent les vidéos ils connaissent 124, mais il y a une vidéo qui traîne déjà. Il y a des virages, vraiment, si tu n'as pas de points de repère, pour moi, c'est primordial, primordial de le faire en double avec, avec un machin. Tu n'as pas donné en double, toi. Tablette. Je la connaissais de base. C'est pas terrible, 124 tablettes. Il y a des lignes comme tu vois, comme 113, je peux les mettre en tablette. C'est plus droit. Mais 124, même 114 pour moi. 124, 114. 124, 114. Bon, je pense que c'est déjà pas. 116 aussi. Elle est longue, hein. 116. Tu passes 4 fois par le même. Ouais. Pour moi, c'est les 3 lignes que tu. Pour moi, tu devrais te mettre. Tu devrais te prendre double. C'est important. Et à Bussy. Je dirais. Devant. Pas de... Non, le devant, c'est avant. Le devant, même, c'est bien de la mettre en dedans, parce qu'elle est longue. 211 aussi, à l'époque. À l'époque, ils le mettaient pourtant. Moi, je l'ai appris en double. Ouais, pareil. 220 et 211, j'ai appris. Parce que 211 et 321, ils sont ensemble. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, bah, du coup, maintenant, bah, je pense 211, je sais pas si elle sert à quelque chose toujours. Dessus, ça va. Ouais. Ouais. Elle est pas si compliquée en vrai, parce que tu fais un cercle. C'est comme le 312. Hein. 312. 312, très bonne ligne aussi. Oui. Hein, 312. 312, ouais, 312. Voilà, regardez. Eh, mais vraiment, t'es très curieux. Regarde. Bien fait pour. T'as vu la Vincennes, la 118 ouais. Quand elle était au niveau du jeu. Voilà, la Vincennes erreur. Mec, à chaque fois, je prie le jeu pour qu'il y ait un bus qui arrive en face. C'est vrai qu'il y a une collègue, elle fait quoi? Elle se met vraiment devant comme ça, personne ne va la. Ah, mais c'est pas ça. Ah, comme ça, avec mon. Ouais, comme ça, on bloque. C'est pour ça que tu fais encore plus de temps. Sur 213, on avait fait ça avec un collègue, on avait bloqué la voiture. Ouais, hey, le mec il était bien, bien sur l'autre voie, c'est-à-dire on passait pas, ouais. Et on se regardait, on était en train de fou rire, on bloquait la voiture, il était en panique, parce qu'en fait moi j'étais au feu et lui il m'a doublé,
Il était sur la voie, c'était collège. Des fois, c'est des... parce qu'en fait, ils se disent que le mec il est à l'arrêt, il décharge. Donc, ils veulent pas, tu sais, derrière une voiture. Hey, derrière un bus. Hey, les gars qui conduisent en voiture, si on n'a pas de clignotant, on est juste à l'arrêt. Arrêtez de vouloir rouler à tout droit pour rien. Je vous dis déjà, vous me mettez en danger. Si une fois, il s'est passé quoi sur le 312 ? J'étais, il y avait une dev, ouais. Et j'étais au niveau d'un feu sur la ligne, c'est que, comme le 310. Il y a une voiture, il y avait un feu, il y avait un passage piéton, moi j'étais au feu rouge. Il y a une Golf, elle arrive en bombardant. Elle grille le feu, là t'aurais un piéton, un enfant. C'est un parc à côté, hein, je peux te dire. Et tu sais pourquoi il était en train de rouler comme ça? Course poursuite avec la police. Mais non, là, elle, où, la police, elle le suivait? Ouais. C'est le mec qui a grillé le feu dedans, c'est bien là, il y a le bus, l'enfant de l'enfant traverse. Je fais comment? Dis-toi, j'ai même pas eu le temps de le voir. C'est d'ailleurs pour ça que des fois j'aime pas trop laisser les gens, même quand j'ai un passage piéton, on va dire qu'il n'y a pas de feu ici. J'aime pas m'arrêter comme ça, il y a toujours un couillon qui va vouloir. Une voiture qui va doubler, les scooters, c'est les gens qui disent certains dans les commentaires, ouais, il laisse pas passer, il fait si. Vous savez qu'au nef, ouais, on laisse pas passer, mais au nez, ils nous apprennent comme ça. En mode, si le piéton n'a pas un pied sur la route, on laisse pas passer. Bah oui. C'est limite, c'est dangereux. Bah oui. Donc, arrêtez de dire je sais pas quoi. Si vous n'avez pas le permis, encore pire, si vous n'avez pas le permis, parlez pas grave, quoi. J'ai toujours dit aux gens qu'il faut toujours qu'ils viennent conduire pour qu'ils se sentent. Non, mais les mecs, tu sais, la plupart du temps, les mecs qui disent ouais, qu'ils ne savent pas conduire, ils ont pas le permis. Ta gueule. C'est comme aussi des fois les mecs qui. Genre ils sont avec leur camionnette, ils te disent vas-y ça passe, ça passe, ça passe. Ouais, ne jamais, jamais écouter. T'as vu ça en 18 Copernic, les voitures mal garées. Ouais. Il y avait les trucs en béton sur le petit écran, je veux dire. La voiture, la camionnette était garée comme ça. Vraiment. Ouais. Il y a 7 gars, un gars il vient qui s'approche. Je fais non, je connais mon gabarit, frérot. 2, 3, 4, 5, on dirait ils allaient me mêler. Le N n'écoute jamais les gens qui attends, mais c'est ça, je sais, je connais mon gars. Parce qu'ils savent pas que t'as 12 mètres derrière. En fait. Ils pensent qu'ils voient comme ça. Je lui dis quoi? Je dis là-bas, il va passer. Ouais. Mais l'arrière, comment je vais faire? Je dis en fait. Eh, hey, non, là, au niveau de la porte arrière, j'aurais arraché la vitre arrière. Donc tu l'as pas écouté, bien sûr. Ouais, mais pour ça, n'écoutez personne. Eh, hey, vous êtes maître de votre véhicule. Ouais. Et vous avez une galère. Ouais. Allez, allez. Et pointe. Ah ouais, juste. Si je parle au machiniste là, en rigueur. Genre, tu fermes les. Non, non. Si on passe et on cartonne parce qu'on nous a dit ça passe, ça sera pour notre tour. Mais autant ne prendre pas. Est-ce qu'il y a un doute? Comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ne roule pas. Mets ton FAE, freine pas, reste là. T'appelles le rigueur, tu dis je suis bloqué. On va faire l'impossible. Parce qu'après, tu vas faire ça, tu vas niquer du matériel. Et tu vas pénaliser. On ne peut pas pénaliser dans le mode. Ça va te pénaliser parce que ça va entrer dans. Enfin, je sais pas comment te dire. Ah si, ça va. Ne le faites pas, ne le faites pas. Là, si ça passe pas. De toute façon, ils le savent. Mais des fois, t'es un peu stressé sur les bords, tu vas dire. Surtout ceux qui viennent d'arriver, tu vois. Donc, c'est important de le dire. C'est pas un métier facile. Oui. Déjà, tu conduis 7 heures. Déjà, conduire 7 heures, c'est. Dis-toi, à Paris, c'est pire. Oh, excuse-moi, mec. C'est vrai, banlieue et Paris, je peux pas comparer les deux. Allez-y, oh là là. Ils sont vraiment bons. Regarde, comment ça. Mais j'avais même pas vu le mec derrière lui. À part ça. Ouais, moi que je parle, toi tu parles pas. Toi. Si, moi je te laisse pas arrêter là. Tu parles pas. Oh, mais c'est pas ma chaîne. C'est pas ma chaîne non plus. C'est la chaîne à qui? C'est la bonne question, je pense, c'est la chaîne à qui. Ah ouais, je sais qui c'est. Personne. Elle publie des vidéos comme ça. Quoi. Oh, comme ça, il y a un fantôme, Casper, il est venu, il a fait. Vas-y. Je veux poster les vidéos. Ouais, t'es marrant, toi, quoi. Avec tes grands golfeurs, là. Oh, coucou. Je rappelle que ce mec, en pleine VPN retour des pros, faisait des trucs comme ça qui sont bons, gars. Moi, danser. Alors, aussi. Et moi, je me pose la question, c'était pas possédé. Tout seul, comme. Ouh, 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 là, là.
Par contre, si aussi le tournant aussi est accidentogène, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Peux-tu nous expliquer? Parce que t'as un angle mort et t'as des gens qui viennent traverser. Par contre, la porte arrière, elle est hyper lente. Ouais, magnifique vue sur la tour Eiffel aussi au passage. Oh là 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 là, magnifique. En plus, personne ne me doute. Oh là, c'est rare ici. Ah si, il y a quand même un petit livreur qui va me doubler quand même. Regarde, il va me doubler pour s'arrêter là. Non, ça va. Eh, s'il s'arrête, tu l'as un coup de rétro. Ah, il est trop bon. Ah, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle quel moment ici? D'accord. Ça te rappelle pas, ça te rappelle quoi? Et ça, c'était là en plus. Hein. Ah oui, le cœur là, mais t'es un charognard, c'est pas pareil. Même les gens, même la communauté trans-IDF l'a dit. T'es vraiment un charognard. Moi, je suis pas un charron, je suis désolé. T'es un putain de dragueur, mec. Je refuse qu'on me dise. Je suis un charron. Non, je refuse. Je suis pas un charron. Quoi? Tu vas faire une dinguerie. J'ai mis des écouteurs au téléphone. Des écouteurs au téléphone. Oh là là, mais ouais. Mais il fait exprès, t'as pas vu ça, il est tranquille. C'est une lunette de soleil là, ça me bobole là. On dirait un manga. Comment il s'appelle? Gai Sensei, dans Naruto. Je suis mort. Bonjour. Il y a un extincteur. Alors, Sylvie, peux-tu nous dire qu'il sert à quoi avec cette tour du coup? Non, mais t'es con quoi? T'as vraiment une tête de bite, mon gars. Hey, t'as vraiment une tête de con. Ça va bien. Ah. Je te regarde là, j'ai envie de pleurer. Mais tu lises le ralentisseur, bordel de merde. Ah, mais tu vois, derrière, il ralentit pas vite. Mais faut l'utiliser bien avant, mais t'es débile ou quoi? Tu m'as dit trop tard. Ah, il était déjà. Ah, il fait grave le mec modèle. Il m'a dit dans les commentaires. Ouais, t'en fais trop. Rappelle-toi du mec, t'en fais trop. Hey, hey, j'ai mis de qui, les gars? Bah, c'est toi, mon limite. Qui c'est qui tombe comme ça? Oh, bah, droite, je vais à gauche et après, je vais à droite. Ah, c'est la merde conduite. Elle te rappelle sur 120 quand tu m'as envoyé la vidéo. Hey, regarde, tu vas rigoler. Sur 120. Même t'as vu le virage à Jean Perry, tu fais droite-gauche. C'est moi qui conduis sur 120. T'es pas drôle, mec. Ouais, hey, ouais. Sont dans ta vidéo, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est con celui-là? T'as conduit 120, donc je sais pas de quel 120 faut préciser dans ce cas-là. Mais frère. Là, 120 de nuit, il y a 120 de jour. 120 de jour. Ah, bah voilà, précise bien. Ah, en fait, il faut que tu fasses la pub pour la vidéo. Qui... Ça, là, il faudra plus de vue, de toute façon, je m'en fous. Ça va juste ceux qui vont. Ça va aider les collègues qui vont apprendre le 120, c'est tout. Bah, regardez ma vidéo. Non, regardez pas, elle est flinguée. En plus, ah, c'était sa première fois sur Trans-IDF, il était tout stressé, le petit là. Eh, vous savez que ça. Il était comme ça. Ah, mais excusez-moi. Les conducteurs qui regardent les vidéos et qui ont tourné avec ce monsieur là. Je sais pas, cette madame peut-être. Est-ce que c'était pas gênant d'avoir deux grosses caméras avec un microphone en forme de. Je crois pas qu'ils vont regarder ça. Tu vois, des gens de l'Infra qui regardent ils s'en foutent. Hein? D'ailleurs, que leur vidéo peut-être à eux et encore. Bande d'égoïstes. Bonsoir. Bonsoir. Cities Market, tu connais? Cities Market, non? Ouais. Ice Even Optique. Bonsoir. Ice Even Optique. T'as l'air vachement. Elle a l'air très bizarre, elle. T'as l'air de bizarre. Ça t'a kiffé. Ouais. Ouais, si tu m'as kiffé, tu m'en regardes pas comme ça. Je suis aigri, j'habite à Paris. Dieu merci, le camion poubelle, il est pas dans notre direction, frérot. Ah, tu aurais fait du bar, tu serais dans la merde. Et là, j'aurais... Ah, tu vois, comme quoi, je retiens pas les destinations, enfin les parcours. C'est bien. C'est attends, je veux 10 balles, s'il te plaît. Et pas 10 euros, je veux 10 000 euros, s'il te plaît. Alors, pour les frais de là, les déplacements. Pour tourner, ça va être tout un. Regarde, et mieux que le petit Toyota, là. Enfin, Toyota. Le petit Toyota, ça pourrait être de conserve. Non, c'est un Opel. Vas-y, mais c'est pas d'avancer, s'il te plaît. Il avance. Non. Et lui. Oh là là. Ça va être marrant. Arrache la porte. Non mais c'est hyper bien. T'as sous le. C'est plus qui est hyper bien. De se garer comme ça, c'est vraiment. Tu vois déjà ce qu'a bossé déjà. Ah, tu sais qui. T'as dit merci ou de rien, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas. Qui m'a dit merci? Ah ouais, c'est carré. T'inquiète, c'est carré.
il l'a fait. Hein. Non, lui, c'est un bon. Tu sais, il y a des collègues, c'est des bons, ça donne envie de. Voilà. Voilà. Mais t'en as des fois, c'est. Ah, mais des fois, hein, en vrai, je dois avoir de l'argent. Une fois, j'ai, limite, j'avais peur, il m'a regardé, mais il m'a pas dit. Il s'arrête pour moi ou. Ah ouais. On aurait pas dit. On aurait pas dit, hein. Tu vas m'acheter un truc, frérot, là-bas, s'il te plaît, en deux en balle. Viens, tu payes. Je te paye, bonsoir. Je suis mes frais de déplacement. Hein. Ça arrive, je vais te les payer. Non, mais vraiment, c'est inadmissible. Je vais t'amener à New York pour les frais de déplacement. Son travail. Je t'amène à New York. Alors, ne travaille pas pour ton CDF. Je te paye, bon, c'est derrière. Tu vas te prendre de trop de temps, je rigole. Non ? Ah, en plus, c'était le même comme la dernière fois. Je vais pas me le prendre. Ok, non, parce que je suis un bon machiniste. Regarde. Pac. Oh. Oh, oh. T'as vu Luc. Notre-Dame, quoi? Par contre, si c'est... Ah, c'est ici que tu te réconcilies? C'est un gamin. Non, mais ça va. Respecte les fidèles. Mais je respecte. Je respecte chacune de chaque religion. T'es un salaud. Quoi? T'as dit c'est là qu'on se réconcilie. Respecte un peu les... Mais je respecte. Bien sûr, je respecte. T'es méchant. T'es un honte, toi. La base du respect dans le monde, c'est la base. Mais comment on peut se garer comme ça parfois? Eh, je t'ai dit, ils ont eu leur permis. Mais lui, alors lui, c'est un champion. Te fais pas écraser ton tour. Hein. Écrase-lui les pieds, s'il te plaît. C'est faire des legs, hein. Il y a toujours des mecs qui veulent faire marcher l'assurance, ils vont se faire sourire. Ouais, ouais, je sais. Regarde, lui, il court pour moi. Lui, il court pour moi. Wesh. Regarde, il court pour moi. On parle qu'il court pour moi le tonton, là. J'adore, quand on court comme ça, j'adore accélérer. Non, oh, c'est moi, là, il a compris qu'il avait le feu. J'ai compris qu'il avait le feu. Mais je crois que c'est même pas pour moi, on va voir. On va s'amuser, tu penses que c'est pour moi ou c'est pas pour moi? En tant que bon associé. Déjà, tu me payes pas, tu parles d'associé, mais voilà. Qu'est-ce qu'il aime marrant, cet enfoiré là, putain, c'est incroyable. C'est toi, tu vas payer mon plat là? Bien sûr, je vais te payer ton plat. C'est toi, tu vas payer mes voyages et tout? Bien sûr, je te paye tout. Vas-y, là, c'est ton CDF qui paye. Fais un chèque. Il paye. Tu fais juste la destination et c'est carré. Sans chéquier là. Je sors le chéquier. Ta chemise. Comment elle est de la retard? Bah ouais, si. Faut que je mette la cravate. Je vais là, il faisait un peu chaud donc j'ai un peu. Ouais, j'ai un peu dépensé. Ah, il l'a eu en plus. Mais par contre, toi t'as un gros escroc, tu m'as jamais offert des polos. Non. Des polos que tu me disais, ouais, je fais un même, tu les as jamais ramenés. Je les ai mis. Est-ce que tu voulais pas me donner? Tu me donnes ta parc à nord? Ça, ça vaut pas, bonsoir. C'est de la main, non? Ça. Parc à nord et polo, frérot, c'est tout pareil. Ah, des charges, carte Pokémon, mon gars, comme les billets à l'école. Billet tortue contre billet Pokémon. Surtout qu'en fait, maintenant, les polos, je m'en fous un peu, tu sais pourquoi? Parce qu'on va bientôt rentrer en hiver. Bah, de ouf, moi, je vais à la parc à nord. Ah, quand j'ai mettre un parc à nord, on sera en octobre, novembre. Alors, je vais te regarder la rentrée. De toute façon, tu vas la recevoir, tu sais même pas. Bah, hein. J'espère. Je garde mes points, je vais faire du shopping. C'est vrai que c'est quand même bizarre qu'il y en a, pas qui m'ont dit ça, mais comment ça fait que tu l'as eu, toi? Je dis, bah, c'est trans IDF, frérot. Ouais, tu vas là-bas. No comments. Ouais, de ouf. Je sais pas, on joue au PMU un peu là? Moi, je mise sur le 18. À ces jeux-là, je suis un peu léger. Je sais que j'aurais la poche. Je sais que je suis un mec chanceux de base, mais je sais que là, je réussirai pas à gagner. Ah, t'es trop nul, frère. Hein? Ah, frère. Ah, j'ai mis, il réagit bien, le bus. Tu fais hybride. Il y en a, ils le font pas. Oh, s'il vous plaît, madame Pécresse, est-ce que vous pouvez mettre que des hybrides pour l'instant pour demain? Parce que les CDs, il y en a un peu ras-le-cul. Ça vous fait pitié. Parce que les CDs, là. S'ils commencent à rendre l'âme. Ouais, plus que rendre l'âme. Surtout ceux du 113. Hein, ceux du 113 sont flingués. Ah, ouais, mais en vrai, j'ai l'impression que les meilleurs de bord de main, c'est les 210. 110. Non, mais au niveau propreté, confort. 110. Moi, je trouve, bah, la dernière fois, tu m'avais dit, t'as kiffé. Ah, le Stelis là. Stelis de 10, tu m'as dit, ils sont propres, ils sont bien. Moi, je préfère, c'est ce que je préfère. Puisque les, ils bombardent pas les Stelis de 10, mais ceux du 110, ils bombardent. Ouais, pour les hauts et tout, je peux rentrer vite fait. Je suis surchaud, putain, elle est fumée cette caméra. C'est bon pour toi? Je vais la changer pour arriver là-bas. Wesh,
Quand je vais m'arrêter à l'arrêt, je vais faire un changement de caméra. Carrément ? Carrément, ouais. Alors, quoi, tu vas mettre celle-là là ? Ouais, je vais la changer parce qu'elle m'énerve, ça fait vraiment ouf. Ah, ça, je suis cassé. Je sais même pas pourquoi elle surchauffe, frère, alors qu'il fait même pas chaud. C'est pas là que c'est le chauffage. Non, c'est là que c'est rien, ça sent. Ouais, elle m'enroule cette caméra. J'ai même pas d'arrêt de roue. Presque, il fait chaud. Caméra de merde, là je confirme. Investi. Ouais, mais en fait, toutes les caméras sont comme ça, à part la 9. Ah, mais non, tu t'en mets pas, frère. En fait, si à part la 9, elle surchauffe pas. La 9, elle peut rester jusqu'à au moins 2 heures comme ça. Alors, celle-là, elle casse les couilles. Là, je sais pas comment je vais changer, gros. Parce que là, je suis à coup ou pas de batterie. Ah, ouais, mais si qu'elle se décharge vite aussi. Elle me rend ouf, elle me rend ouf. Attends, je suis juste à côté, on a fait combien de temps depuis là? 40 minutes. 40 minutes, elle est déjà en surchauffée, la plupart du temps. C'est aberrant. Aberrant. Je suis déçu. Elle marche déçu, je suis déçu. Ouais, elle remarche. Ah ouais. Elle va bientôt se réétendre. GoPro, je leur tire pas mon chapeau. Hein. Ne lâchez pas des gros points. Tu se mets un petit peu pour qu'elle remarche. Waouh, waouh, waouh. Des fois, les deux, c'est pas ça. Va être, ça va être terrible, c'est pas grave. Ah ouais. Je vais juste la refroidir. Après je vais la changer. La changer. En plus comme par hasard on est même pas dans les bouchons. Bon allez, on arrête un petit peu. Ouais non parce que là c'est pas du tout appréciable pour plus la microphone. Ah, pour le microphone tu vois. Ah ouais ça va vous. Oh là là, Transidev qui roule. Transidev toujours. J'ai envie de la changer là mais là, ça m'énerve. Non c'est tendu frère. Quand je commence à sortir le truc des gens. Mais il merde. Terminus, tu me descends, je change de caméra. La dernière fois, c'était Docteur Bouillot, frère, là, c'est tout ce qu'on a échoué. Putain, tu m'as poussé le dessus. Wesh. Ah, le mytho. Et voilà. C'est vrai. Wesh, ouais, j'ai senti un Star Wars arriver, wesh. Un Star Wars. Ouais. Un petit coup de... Ouais, il y a du vent. Pourquoi elle veut pas se ventiler? Et c'est là, c'est bien, on va pouvoir le faire, le changement. Fais vite alors. Ouais. On va voir comment je suis. Combien de temps? Hein? Ah, je me faisais klaxonner direct. Il faut que tu la rallumes après. Vous avez vu comment on galère avec ces gros pots de merde? Tu la rappuies, mais maintenant je te. Tu la recadres là bien. Pas bien, il faut que ça. Ah, c'est bon là. T'es sûr? Je vais aller regarder parce qu'elle m'a l'air un peu trop haute. Moi, je vais regarder ça au prochain. Ouais. Vivi les coulisses en live. Hey, hey, en plus, je suis même pas payé. Et t'es même pas payé. Tu veux que je te paye? C'est moi qui installe une caméra, fou. Tu veux que je te paye? Vas-y, voilà, tu sers à rien, toi. Prends. Tu sais juste. Tu sais juste à la prochaine. Tu sais juste à quoi tourner. Je sers à rien, tu vas prendre le reste tout seul. Tu me lâches comme ça. Ouais, mais non, mais t'es. Attends, quand je te refais. Je le paye, c'est même pas installé des câbles. Eh les gars, mettez pouce rouge pour qu'il arrête la chaîne. Ah, mais voilà. Non, la reconnaissance. C'est passé. Bon, là, on va pouvoir faire le change. Bon, je vais pouvoir bien regarder. Mais je crois que je devrais mieux changer les batteries, frérot. Parce que je crois 36%. Pourquoi il s'arrête le Volvo là? C'est moi qui vais me le taper, c'est moi qui vais me le taper. Oh. Hey, t'es une migraine toi. Bon, je vais regarder là-bas. Oh. It's matching this. Oh. Rien contre. Ah, t'as vu, il marche bien. Ouais, il marche bien, ça va. T'as vu, je t'ai dit. Mais c'est pas tout, ça, des fois. Mais c'est pour que je te dis que c'est parce que c'est doux. C'est doux, ouais, c'est vrai. Avec ton gros pied là, il fait du 48,5. Ah, c'est bon là. Voilà. Bravo. Tu sais, je pourrais t'augmenter là. Ah non, faudrait d'abord que je te paye d'abord. J'ai envie de t'augmenter. Là, je fais les malins, on va accélérer parce que je crois que les batteries vont pas tenir, gros. Non. Tu vas te calmer, hein. Parce que t'es un peu foufou sur les bords là. Le feu là-bas, on l'aura pas. Ouais, ouais. Je connais tous les feux par terre. Djou, djou, djou. C'est bon,
c'est un peu sombre. Un cran. Vous voyez comme ça freine bien doucement. Ah, c'est magnifique. Ah oui, c'est la meilleure innovation, ça, des puces. Franchement. Je sais pas pourquoi ils ne les ont pas mis sur les gaz. Pourtant, il y a des c'est vrai que les gaz transdev qu'ils ont. Le ralenti à l'arrière. Allez, je suis gentil. C'est là-bas pour la prochaine fois au cas où. Pourquoi tu me fais un hochement de la tête en mode ouais t'as géré, vas-y va là-bas. C'est comme un démortel, vas-y. Oula. Putain, un masque. Là, les deux couteaux pigeons là, ils sont en train de faire quoi? Écoute, tes deux couteaux pigeons là. Ils guettent. Ça guette. Ça guette safe. Eh vraiment là je suis perturbé là. Ouais. Pas servi là. J'avoue c'est quand même bizarre. Hein. J'ai l'impression de voir ce qu'ils vont me donner en nuit. T'aurais du 124 hein, moi je pense. Hein? T'aurais du 124. Non, 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 non. J'espère que t'aurais du 124. J'ai pris. Ah j'ai pas vraiment. Pourquoi tu fais comme ça ta main? Hein? Pourquoi tu fais comme ça ta main? Moi j'envoie un snap quand je m'envoie des stats qui sont pas drôles, tu vas articuler s'il te plaît. Quand tu m'envoies des snaps, ouais, et que tu me dis, quand tu fais la racaille, je fais le mec, et on voit des trucs qui sont pas drôles, tu me dis, bah, toi-même, tu te dis toi-même, ah, ferme ta gueule, ouais, ferme ta gueule. J'abuse. Et c'est même toi, je me dis, ah, je suis surexcité des fois. Pourquoi t'es surexcité? Quoi? T'es bizarre toi, pourquoi t'es surexcité? Qu'est-ce qui t'a. Qu'est-ce qui je sais pas, frère. Tu vois tout de Red Bull, mon gars. Non, c'est ça. C'est ça. C'est archi faux. Les mecs, ils boivent, ils mangent pas 3 Red Bull par jour. Quoi? Vas-y, ouais, ils veulent faire la récolte. Ouais, mens, mais mens doucement, s'il te plaît. Mens, mais mens lentement et doucement. Eux, je suis en train de boire une Red Bull. Eh, mon gars, tu bois plus de la Red Bull. Je t'ai dit, fais attention. Tu veux pas écouter les ambiances. Fais attention. Tu me parles comme si t'avais 70 ans. Ouais, j'ai 70 ans, frère. T'as 12 ans, frère. T'es grand golfeur, là. J'adore ce bout magnifique. En plus, tu caresses le volant, tu fais peur. Il faut le carré, regarde ça. Poc. Oh. Il est long celui-là à le faire, je trouve. C'est un peu rapide. Hey, tellement, tellement, il kiffe. Hey, il mange tous les bruits des bus. Ça fait comment le GNV, s'il te plaît? Je sais pas. Eh hey, hey, ouais, vraiment, il faisait quoi? Il faisait des trucs comme ça. Non, vas-y, fais-le si tu sais le faire. Moi, je sais pas le faire. Hein. Je t'invente des villes. Hein. Non, bah, bien sûr. Tu as été moins. Vas-y, bah. J'ai été moi. Vas-y. Non, je le fais pas, je ne passerai pas à ton niveau, tu vois. Je vais. Ça va faire 1, 2, 3, 4 éléments, c'est énorme quand même. Mon début, son 5ème élément, il est là, wesh. Alors, qui est-ce, il a oublié. Ah, mais. T'es pas un élément, t'es un être humain. Je suis un bon élément. Ça dépend, ouais, vas-y. Ça dépend, franchement, ça dépend. Va là-bas. T'es bon quand tu veux, en fait. Et t'as vu là-bas? Ouais. Va là-bas. Bah, toi, va là-bas. Ferme ta bouche. Je vais t'ouvrir les cordes, tu veux ça? Quoi? Descends, je t'ouvre ici. Vas-y. Sinon, tu vas faire la ligne avec moi, celle-là. Espèce de lâche. Le mec, il est à BDR. Ouais, même le bus, il voulait pas le tour. Même le bus, il t'a dit faire pour les deux. Alors là, juste un truc avant que je parle de BDM. Priorité à droite pour ceux qui rentrent. Même si je sais que c'est bizarre. Ils ont passé le code, les gens. Quand même. Mais comme il y en a beaucoup qui sont gentils. Fils de grosse. C'est gentil femme. Je t'ai bien rattrapé, salaud. Pourquoi tu m'insultes? Mais j'en ai marre! T'es trop violent! C'est pas possible! Je t'aime trop, c'est pour ça que je t'insulte! Qui aime bien, châtie bien? Ouais, les skateurs de merde! Ouais, tu veux dire que je suis en BDM? Les femmes qui regardent ces vidéos avec. Les femmes? Ouais! D'accord? Qui le kiffent et tout, qui voudraient le rendre! Ne le calculez pas! Il est trop bizarre ce mec! Je suis le meilleur homme qui on pourrait. Quoi? Tu dis quoi? Franchement? Je suis le mec avec le plus gros cœur au monde. Bon, ça va les chevilles, hein, ça gonfle. Hein. Franchement.
Toi, ça va, t'en as pas, tu sais plus de tout. Non, moi, tu sais noir. Ça parle comme Max sur 114, c'est ça, hein? Peut-être. Peut-être, c'est bon. Hein. Que... Peut-être. Mais franchement, le mec du 102, des chaussettes, elles sont classe, allez, fou. Ah ouais, dédicace à personne, faut aller là, hein? Chaussettes Lidl, propre. C'est les petits, ils aiment bien quand ils voient un bus, ils leur font un petit salade. Mais tu fais trop le mec bien alors que t'es pas un mec bien. Je suis bien. T'es déjà le diable, toi, en fait. Ah. Mais regarde tes gants, mais. Regarde comment on caresse. Hein. Oh. Et regarde, les clients, ils brassent même pas. Hey, tu fais des bruits chelous. Non, mais regarde, mon rétroviseur, je les vois, ils sont tous posés, tranquilles. Ça, c'est moi, j'ai une bonne tête. Ah, cette télé, ça aurait pas été la même. Oh, si, même avec un si, j'arrive à être franchement bien. Toi bien. Parce que j'avais l'impression d'être la fois. Même des fois, il me dit merci, monsieur, franchement, super et tout. Non, il m'apprécie. Il m'apprécie. Hey, j'ai trop de fleurs, mais toi. Je me jette des fleurs parce que je sais que je suis. T'as vu ma main comme elle est bien machin. Pouc. Sur le crâne. Comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai. Ouais, d'ailleurs. Ouais, dis-moi. T'as vu les paquets de Pringles. Ouais. Les vides. Mm-hmm. Faut vraiment que je t'en jette un sur le crâne pour voir comment ça résonne. Mais tu me laisses pas, tu vas un bon prendre. Tu vas rien faire, mon gars. Ah, t'es sûr. Ah, t'es sûr. Tu vas te soulever. T'en vois beaucoup de monde soulever, dis donc, hein. C'est bizarre. Ah, t'as les idées un peu mal tordues sur toi aussi. Hein. T'as dit quoi? T'as les idées super mal tordues. Et frérot, soulever, ça, je peux te soulever comme ça, ça veut pas dire soulever d'une autre manière. D'ailleurs, je sais pas de quel soulever tu parles d'ailleurs. Pareil. Vous avez vu comment c'est un charreau, le mec? Quoi? Attends, mais je veux le rapport. Tu vas te la buter le soir, toi. Excuse-moi, mais c'est pas moi qui a le matin. J'en suis sûr, hein. Hey, bien avec un temps. Attends. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas te la buter sur certains sites qu'on que je ne dirais pas. Son matin, il va être pas dur. Bizarre, bien humide son matin. C'est vrai, ton matin, il est comme as. C'est sûr et certain. De quoi tu parles? Attends, les gens, ils sont. Qu'est-ce qu'ils parlent? Toi, t'es ça. Regarde le mouvement de la lèvre. J'ai pas de. Je suis pas de quoi? J'ai aimé, hein. Moi, je suis pas de. Roule, tranquille. Ah, crâne, quoi, tu rentres sujet. Tu vois comment on parle? Alors, tu regardes quoi le soir avant de te coucher? Ah, en ce moment, alors, je regarde un animé qui s'appelle Mob Psycho 100. On s'en fout complètement. Vraiment incroyable, les gars. Incroyable. Il y a une série que je conseille. Quel épisode? Je suis saison 2, épisode 2. Tu conseilles aux gens? Ouais, ceux qui sont fans d'animé. Je pense qu'il y en a un, la crête d'être animé, hein, la base. Et après ça, quand t'as fini, tu tournes un quoi d'autre en fait. Après, je vais le mettre à The Voice. Tu connais? J'ai des doutes dans ce que tu dis. Hein. Tu connais pas? Non, je connais pas. C'est une série là. Je pense que tu dois surtout regarder un certain site. C'est bon, je ne ferai pas la publicité, j'ai pas envie. Urban Web? Ouais. Ah oui, Urban Web, c'est vrai que tu le sais pas mal ça aussi. Le mec, il est en vacances, il regarde Urban Web. Non, mais faut arrêter. T'as ouf! Je suis pas servi de. On s'en fout, c'est on va servir dessus. Bah, tu bosses pas? C'est sûr, madame. Est-ce que vous allez vers Bastille, le tour volant? Ah, pas du tout. Pas du tout. Bastille, c'est le 86. Là, faut prendre le 71 jusqu'à Nation. Ah, vous allez à Nation? Non, de l'autre côté. Ah, ok. Moi, je vais à la bibliothèque et après, vous faites le changement, vous allez prendre le 86. D'accord, merci. Vraiment? Mais The Boys, c'est incroyable. The Voice? The Boys. The Boys. C'est des super-héros, c'est une série américaine, mais c'est hardcore. Et tu n'as pas ton CDF? T'as plus sa grand-mère, ton CDF, c'est quoi ça? Ah ouais? Je pensais. C'est quoi? Tu peux m'expliquer ce que c'est? Bah, apparemment, c'est un gars qui fait des concepts de vidéos de bus, je sais pas si. Ça sert à quoi? Apparemment, c'est pour les collègues qui veulent apprendre les lignes, des choses comme ça. Ah ouais? Je sais pas si. Est-ce qu'il regarde jusqu'à la fin, même? Hein? Qui regarde jusqu'à la fin? Bah, je pense qu'ils veulent apprendre les lignes, ouais, ils ont intérêt à regarder jusqu'à la fin. Ah, c'est intérêt carrément. Bah. Pour eux, si tu mets un couteau sur la gorge, c'est en train de dire. Il faut, mon gars, jusqu'à la fin. Watch Sam jusqu'à la fin. Et regardez pas ces vidéos. Je sais même pas si vous regardez jusqu'à là. Déjà, gros, on est à 40-50 000 de vidéos, gros. Vraiment, le gars qui déterre qui va faire. Après, moi, je trouve des fois, c'est stylé de regarder en plus chaud. Genre, c'est apaisant. Je m'attends tous comme ça. Elle m'attend de pied ferme. C'est pour toi ça. T'aimes bien les asiatiques. Les asiatiques ça. Ah non, regarde. Bonsoir. Yeah, of course.
My name is Jean-Louis. Tiens, parce que là, j'ai étanché les fins. J'ai mangé. Ah bah tiens, tu découles. Ah non, bah là, tu découles. Ah bah non, je crois que tu n'es pas venu la dernière fois. Ah bah si, avec le frérot, j'avais oublié. Tu m'as lâché à Port de la Ville pour aller avec le frérot. Vous voyez comment c'est un lâcheur, ce avec le frérot. Ah ok. Mais non, je suis venu tout à l'heure, la dernière fois. Il t'aide bien, son retour centre bus. Il va te narguer. Il va te faire un doigt d'honneur. Je vais faire un appel, mais je crois qu'il va pas... Il va pas ouais, il va pas être actif. Non, un bon. Un bon. Pourquoi il ferait. Ouf. C'est le vent le plus terrible que j'ai vu ma vie. En fait, ils disent qu'ils veulent le bus, mais ils le demandent de façon tellement timide que je me demande s'ils le veulent vraiment. Normalement, tu fais ça. Ah, j'ai oublié. Bonsoir. Bonsoir. Je me demande ton crâne, il fait quelle taille. Mais quand tu sens le cas, il est en hybride comme ça. Ah là, une photo rare, les amis, hein, les fanatiques... C'est rare, hein. D'ailleurs, on s'en rend compte, il y a un fanatique qui m'a pris en photo. Ça va ? Je te jure. Il a hésité à me prendre, il était comme ça. Parce qu'il voyait que je le regardais. J'ai dit, j'espère pas intérêt à mettre ma tête sur les réseaux. Ouais, par contre, on a déjà parlé sur le 2-11, hein. Éviter les têtes. Mais tu sais qu'ils vont pas regarder jusqu'à là. Je sais pas, qu'est-ce que c'est. Ah, c'est toi ? Ah, je m'en fous, celle-là. Je m'en fous. Attends un petit peu. Laisse-la un peu se reposer. Il est terminé. Qui Le collègue. Comme il a le pied dedans, il a campé. Bon, je rallume ou c'est comment ouais. Attends, je vais te passer. Tu sais changer une batterie. Ah, c'est bon, tu te. Tu en as payé déjà. Mais je crois que. Sur le titre de la vidéo, j'exige que tu mettes fit. Attends, je vais. Là, on va s'appeler feu rouge, j'ai un arrêt, ça va être carré, je vais te passer la batterie. Non, c'est vraiment, tu sais changer une batterie ou pas? Ah, c'est pas sur le téco là? Il faut que tu la dévises et tu la changes. Après, dévisse là. Essaye de faire ça vite avant qu'on arrive à l'intercycle d'un pas, s'il te plaît. Non, fais ça tranquille, frérot. Tranquillou. J'apprends aux collègues d'apprendre à changer des batteries de caméra. Par contre, la meuf, j'espère juste qu'elle va tenir jusqu'à là-bas parce que si elle tient pas. Voilà, là, t'es un bon. Tu fais ça, voilà. Enlève ça. Voilà. Ok, je la garde, voilà. Regarde, ouais ça. Je sais pas si t'es en bon. Oh nickel, ferme là. Par contre tes mains sales là, les mets pas trop sur l'objectif avant que ça fasse Même si tu la fermes pas, c'est pas grave. Oh, ah j'aime quand t'es réactif comme ça mon gars. Ça c'est bien ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Tu payes hein. Là je vais te payer. Paye. J'aime comment tu l'as changé d'une manière aussi réactive. Des personnes, non. Elle est bien dans l'axe, mais elle n'a pas l'air droite. Hein, sur le coup. Après, je crois que la route elle est un peu penchée. Voilà. Tu l'as bien vissé aussi le truc. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. Toi. Paye. Rien à dire. T'imagines tout seul comment j'aurais fait, gros. Comment j'aurais fait. Bah, tu t'émerdes. Oh. Par contre, ce qui me fait flipper, c'est celle-là maintenant. Celle-là, c'est la plus importante. Aide-moi, s'il te plaît, prie pour que. J'ai l'impression qu'elle n'est pas droite, frérot. Ouais, je prie que quoi, ça t'arrange. Ah ouais, t'es chaud. T'es chaud. Je vais emmerder. De droite ou gauche ou. T'en prie pas, mon ref. En gros crâne, là. Avec sa tête. Ouais. En plus, c'est une plaque seule. On dirait ta fille avec son crâne. En plus, j'ai grillé le feu. Par contre, je comprends pas le système de mettre un peu. Ouais, j'ai pas compris aussi. Bonsoir. 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 Merci. Bon, je ça passe pas cette fois-ci. Ça passe une fois sur deux. On a un temps. Vous avez trop de. Je crois que vous avez trop de cartes. Ah non, mais je l'ai mis juste devant, il n'y a que le métro, vous voyez. Ah. Vraiment, ça dépend des validés en fait. Ouais. Bon, pendant un temps. Il n'y avait pas moyen que ça passe. Celle que je prenais, il y avait deux entrées. Celle qui était en bas de chemin que je prenais tout le temps, ça ne marchait jamais. Et quand j'allais celle de loin, ça marchait. Je leur donnais, j'ai écouté, ça le passe à chaque fois que ça passe. Ouais. Le truc qui fait du micro, hein. J'ai un truc à la main, je pose dessus, tout ça ne passait jamais. Ouais, c'est
je comprends pas, ça marche chez moi, non, toi bien, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'en fait, je pense que des fois aussi, il y en a qui, comme ils ont beaucoup de cartes, c'est, les machines elles sont perdues. Ah oui, au bout d'un moment. Donc, ouais. Du coup, ça, ils ont non, du mais mal, là, moi j'ai un petit truc avec que les transports. Hein. Donc, vraiment, ça passe. Il n'y a rien d'autre. Enfin, il n'y a pas d'idée, mais il n'y a pas de plus dessus. Donc, c'est clair, c'est clair. Regardez, merci, il y a des gens ou pas? En tout cas, vous êtes très très chic. Ah bon? À ce point-là? Ah ouais. Les petits gars, les lunettes de soleil. Ils sont beaux? Ah ouais, ouais, ça fait. On se ferait dans James Bond, c'est ça? Ouais, ça fait. Ça fait classe? Ça fait classe. Ah, c'est gentil. Je suis venu. Bonsoir. Ah, le petit homme, il est content. Ah, vraiment? Oui, il a la classe. La classe? Le sourire et tout? Ah, là, je fais. Là, vous m'avez dit de bonne humeur encore plus. Bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Je vis, hein. Bonjour. Passer à Gare des Lions ? Non, pas du tout, je vais à la bibliothèque. C'est François Mitterrand, bonjour. Oui, bonjour, exactement. Mais c'est ici, sinon, vous. Ouais, que c'est ici, il faut attendre le 77. Ouais. Bah, il arrive là, il est derrière moi, je crois, normalement. 0 minutes. 2 minutes. Non, j'ai vu 0 minute là. 77. Ouais. Au moins, il doit être derrière moi, hein, je crois. Ouais, j'ai vu. C'est bon ? Okay, ça va. Rien. De rien. Ah, tu vois, cette clientèle-là, c'est ce qui me fait le taf. Toi, c'est transidère. Ah ouais, c'est... T'as vu ? Elle a dit, je suis classe. Non, ouais, mais arrête. T'as dit en moi, t'as même pas levé la main. Mais là, elle était là-bas. J'ai même pas vu. Oh, j'ai tout gâché, j'ai envie de faire une marche arrière carrément. Oh, t'es trop moche quand t'as fait ça. T'as mis une lèvre en bas, je sais pas quoi. Elle t'a refait, hein. Elle m'a refait. Tu vis, hein. Arrête de lire dans mes pensées. Es-tu riche? Riche? Ah oui. Riche. Non, t'es pas sans croûte. Riche. Tu vois, ça, c'est rare que tu as ça en banlieue quand même. Ici, j'ai eu plus de. Si, bon, moi, je trouve des archis bien. Par contre, Bussy, t'avais pas mal de gens comme ça. Plus que Bordemain, par contre. Je trouve la clientèle de Bussy, elle est nettement mieux que Bordemain, je trouve. Je sais pas si tu as ressenti. À Bussy ? Moi, je trouve, hein. Ouais, surtout quand t'es en roulement là-dedans, là, sur ouais. Des lits. Tu vois, 3-12, moi, j'aime bien 3-12. Tu vois, là. Ouais, tu peux être. C'est des jeunes, et en plus, eux, ils sont polis. C'est pas les jeunes. Mais c'est moi qui pouvais dire qu'un jeune qui ramène des jeunes. Bien. Là, l'enfant, c'est là que j'étais. Ils sont prêts. Qui ? Tu veux la voir ? Ouais, keep down. Keep down. Ah, on va enfin avoir la scène de crime. Ah, c'est ici ? Voilà, par la gâteau. Tu finis un peu riche. Ça va de. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a un certain cercle restreint, tu vois. Ça va de faire le mec. T'as pas trop serré, là ? Non, je suis en avant. Ah, pour ton équipe. Ouais, c'est vrai que ouais, tu peux un peu te déporter, mais ça passe. On ferme la porte. Comment on va prendre neuf. Autant là, je suis vraiment à ça du trottoir, mais je le contourne. J'avance pas trop, j'ai un gros crâne. Oh, hein, de tout. Ouais. Oh. C'est passé. C'était trop bizarre pour être vrai. Regarde, regarde-moi ça, regarde ce comportement. J'arrive, il traverse. En plus, tranquillou, hein, sans pression. Sans pression, il se manque de respect. Salut. Bonsoir. Ah, voilà, on va rentrer. C'est ici ? Ouais. Et le machiniste, il va se reconnaître fort. Je sais même pas s'il va regarder. Ouais, j'avoue. Voilà. Là, il y a la voiture grise. La voiture grise. Voilà. En fait, vous... Laquelle ? Ah, là, devant, là. Oh, quoi non. Voilà, en fait, il roulait. Ouais. Et voilà, c'était là, au niveau de là, la flèche. Ouais, elle a disparu. Ouais. Le cadran a disparu. C'est un mystère à nouveau à résoudre. Mister Transidef, sur la bien partie de la ligne, le plus beau côté de la ligne. Alors dis-nous, monsieur qui connaît bien Paris, on est où ici ? Quai de Seine. Quai de Seine, le dépôt ? Putain,
sais pas, il y a la scène, il y a un pont, Ketsen. Je crois que c'est les Ketsen en plus devant. Oh, tu l'as dans le déche. Ah, mais je te disais là, là à droite. Ça va ? Tout ça, là, c'est quoi ça ? Ça, c'est la Bastille. On va prendre à la Bastille. Il y a les touristes qui vont regarder la vue quand on va aller pour le Eh, tu sais jamais, tu sais 7-7, je sais pas de quoi. Apprends un petit peu, non ? Non. Attends, fils d'apprendre pas là. Tu vas faire des maths. Je crois que tu vas faire du T3 là. Eh, il me soupe, je le vends. Tu vas rien comprendre, tu vas bien. Tu vas bien balise. Quoi, T3D ? Ouais, quand je vais faire du remplacement. Mais je kiffe, ça va, c'est vrai ça. Comment tu es, c'est vraiment genre. D'ailleurs, je vais venir filmer ta grosse gueule là sur. En plus, tu peux venir, hein, je fais de l'après. En plus, je bosse pas, hein, j'ai 4 jours. Ouais, viens. Non, en fait, viens pas. Allez, t'as joué un peu. Viens. Mais viens, mais viens pas. Oh, lui, il a vite compris. Ah, oui, il a vite compris. Merci frérot. Il sent pas les couilles. Ah oui, ta tête, il la prend, il la frappe. Alors lui, c'est. Oh là là. Tu vois, c'est, je sais pas pourquoi la maire de Paris a fait des trucs comme ça. Tu vois, c'est ça qui va. Je sais pas. Les vélos à contresens comme ça, c'est pas normal ça. Pourquoi tu fais un. Mais c'est qui la maire de Paris ? Moi, je te laisse. Tu vas appeler ? Anne Hidalgo. Bravo. Anne Hidalgo. Il serait temps d'y go, hein. Non, là, se ferme ta gueule, se ferme ta gueule. Là, c'est vraiment. Malaise. Enfin, on est arrivé, comme ça, je kiffe en CDF, ça m'a saoulé. Hey, dites, là, je suis là, bah, c'est pas parce que j'ai envie d'être là. On fait retour des pots, comment je suis refait. On ne fera jamais un retour des pots, c'est trop tôt. Oh, on tourne trop tôt, trop tôt. Il va pas me dire bonjour, ça se voit, il est caché déjà. Ça l'a arrangé bien. Ça l'arrange, tu vois. Ah, il y a un 71 en bus. C'est grave rare, hein. C'est hyper rare. Je ferme pas les steaks. Moi, ça sent le steak, là. Il ferme ta gueule. Là, non, je te jure, ça sent vraiment le steak. Mais wesh, ouais, arrête de. C'est bizarre. Voilà, bus. Donc, ceux-là, ils ont la clim, ils ont pas la clim. Eh, c'est pas moi qui ai la nid. Ah, ça, le ça gars... m'intéresse, le gaz. Oh, le gamin, il s'est barré, là, il a le colis. C'est fini. Alors, merci d'avoir. Sur ce, messieurs, dames. Bonne soirée. Oh, il fait jamais ça. Je le fais tout le temps. T'es un mytho. Mais on n'entend même pas. Allô, 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 allô. Dan. Bonne soirée. Ouais, allez-y, y a pas de souci. Merci. On n'entend pas. Ce fut un bonheur de vous avoir accueilli à notre bonheur de notre bus. Je vous dis que ce fut un bonheur de vous avoir dans le bus. Perfect.